accusé du Gabon. Toussi Zoom 45. Où sont les élèves qui pensent qu'ils peuvent dépasser le maître? Benel Management. Ils disent que c'est nous les barbares, les nos c'est la patrie. Worker dans l'Ongara c'est bizarre, tout ça c'est la fatigue. La théorie a volé au school, dans la rue c'est la pratique. Ton label a voulu courir, maintenant il est fatigué. Bientôt 60 ans que le pays est bongolisé. La jeunesse n'est plus sacrée, la jeunesse est cobolisée. Petit, mercredi c'est pas bon. C'est pas du tout bon. N'oubliez pas la consigne, les cœurs sur le côté là. Les cœurs. Parce que nous avons le direct de l'année. Vous-même, vous savez que comme moi, le balcon en chef, j'arrive devant vous avec ce tel sourire. Et je me suis même sapé. Parce que là, ce direct... vous blaguez. Oh, Azamouam, l'enfant là. Qui est? Bon, d'entrée de jeu, parce que faut toujours faire l'introduction dans toute chose. Hein. Je vais m'adresser à mes frères. Parce que à chaque fois, vous êtes toujours là. Je vous ai dit ici que le balcon en chef, j'ai deux casquettes. J'ai l'activisme et la distraction. Je ne suis pas là. Quand j'allume mon téléphone, ça dépend de mon humeur. Parce qu'à chaque fois que la balcon gagne inflige des corrections virtuelles, mes frangins activistes sont toujours là. Ouais, c'est la distraction. Ouais, c'est nanani. Ouais. Hey, pour la ville morte là, hein, la balcon gagne a joué le travail du début à la fin. On n'a plus rien à prouver dans ce game. La ville morte là, qui s'est passée du début à la fin, la balcon gagne a géré ça. Donc, c'est terminé. Ils ont eu à suspendre les mouvements. On va venir parler de ça après. Et si la balcon gagne marque une pause, on marque une pause. Vous pouvez continuer à parler. Et le sujet qu'on traite là, c'est pas une distraction. On parle d'abus sexuels sur mineurs. Qu'est-ce que vous appelez distraction là? Vous croyez que vous pouvez venir distraire la balcon gagne? Lang, monsieur, lang. La balcon gagne, on parle de ça bien. Et quand on va vouloir parler du système, on va parler après. Ne baillez pas mon forfait ici. Il y a autant que vous êtes, personne ne me commande. Donc, il ne faut pas me fatiguer les esprits avec vos messages bêtes, là. Je suis choqué. Personnellement, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sécurisez le live. Mettez les cœurs massivement et partagez. Parce que si vous ne sécurisez pas le live, là, ça va se couper. Piou! Parce que les gars sont déjà là. Ils sont tous là. Là, ils sont tous là. Ils attendent que le balcon chef va sortir quoi, là? Donc, faut sécuriser le live avec les cœurs. Vous mettez les cœurs. Même si le Congo, ça, il y aura le goût. Mais mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je vous en conjure, mettez les cœurs. Vous savez, le football au Gabon est le sport roi. Le football au Gabon a nourri beaucoup d'espoir sur la jeunesse gabonaise. Il y a beaucoup de Gabonais qui ont tout misé sur le football. Et en retour, ils ont eu des choses bizarres. Pendant des années, les Gabonais parlaient de ça. Mais dans la mesure où c'est tout un système, et vous allez comprendre quand vous allez écouter les audios là, c'est tout un système, c'est une chaîne. Et cette chaîne-là, la Balcon Gang a décidé, certes, Molina, que j'aime appeler Molina, oh le français, mon profond, Romain Molina, il fait le taf de l'autre côté, la Balcon Gang gère sur le terrain. Et parce que tout ce que je vous dis là, il y a des fortes chances. Il y aura deux cas dans l'histoire là. Soit Capello va le Ngata, que les gars vont foutre Capello Ngata. Soit l'équipe nationale de football là va être sanctionnée. Je ne suis pas en train de blaguer avec ça, mais maintenant on va mettre ça nu. On n'est pas là pour blaguer. Le direct va te passer de la façon suivante. Donc mettez énorme. J'espère que vous avez des forfaits. Hein. J'espère vraiment que vous avez des forfaits. Parce que ça va monter crescendo. Je vais commencer par les petites notes. Et le temps que les autres arrivent, quand je vais vous dire que là, c'est le boulet. Je vous jure, ma mère, hein, que quand vous avez terminé ce direct-là, tous vos enfants qui game au foot, vous allez les tailler pour dire qu'il faut que je vérifie les cases. Quand je vous dis ça, quand le live va terminer, quand je vous dis, voilà le fire, quand je vais mettre la partie là, quand vous allez écouter, je vous dis tout, hein, vous allez prendre vos mounas, un à un qui game là, vous allez vérifier le watch, vous allez sentir que là, c'est bizarre. Seigneur, J'en ai marre. Et là, quand je suis en boule comme ça, je n'aime pas ça. On va commencer déjà par écouter. J'ai même mis ça. Où est-ce que j'ai bien classifié ça? On va commencer par écouter. Hein.
en live, hein, et là devant tout le monde, un ancien coéquipier d'Aaron Benza. On va écouter tout ça. Tout va commencer par là. Partagez le live, les noms sortent tout. Là, c'est les témoignages des personnes. Vous avez demandé les témoins, non? Vous avez les témoignages. C'est pas les gens de loin. C'est pas on a dit, on m'a raconté. On écoute. Avec le Baduko en chef, c'est les palpitations. Listen. Moi, j'ai commencé à jouer au football dans un club en 2006. J'étais en Benjamin. Avec Colo. À l'ISM. Benjamin. Je suis monté en minime. Minime avec beaucoup de cars. J'ai retrouvé beaucoup de cars. Les Pacharo, j'ai fait la connaissance des Pacharo, Kalasek, Timanchuk, Sigui, Chouzamour. Il y avait beaucoup là, on était beaucoup. Mais les gars que je viens de citer, tous habitaient au PK7. Tous habitaient au PK7 chez Kolo. Moi, je restais au 8. Maintenant, en cadet, nous sommes montés en cadet. En cadet, un jour, c'est un de mes coéquipiers, il apprenait à même assez bon, mais je ne peux pas dire son nom. C'est un de mes coéquipiers qui vient, il me dit, ouais, man, voilà, j'ai envie de te dire un truc. Parce que moi, on connaissait déjà mon caractère, comment j'étais dans l'équipe. Parce que je peux aussi donner ce que j'avais dans l'équipe, sinon beaucoup sauront qui a fait l'audio et qui parle. Je suis arrivé, un ami est venu, il m'a dit, ah voici ce que coach Kolo vient de me dire. Il était 13h, 14h, on avait entraînement à 14h même. Donc avant l'entraînement, le petit m'a dit, voici ce que coach Kolo m'a dit. Mais moi, avec plein de courage que j'avais, parce que beaucoup les venaient pour le courage. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ça qui m'a fait rentrer au football, parce que je suis toujours catégorie. J'ai dit aux autres que bon, aujourd'hui, comme c'est voici, j'ai réuni tout le monde. J'ai dit que voici ce que coach Kolo a fait. Et je crois que, bon, moi j'étais capitaine de Kolo. J'étais capitaine et avec mon rôle que j'avais, je ne pouvais pas laisser passer beaucoup de choses. Donc le petit est venu me dire que voilà ce qui se passe, avec Kolo. Voilà ce qu'il vient de me dire. J'ai dit que bon, comme c'est comme ça, on ne s'entraîne pas. J'ai réuni tout le monde, j'ai dit on ne s'entraîne pas. Parce qu'on ne peut pas s'entraîner. Et voilà ce qui se passe dans l'équipe. Non. On s'est mis là tous dehors. Il a demandé à tout le monde, quand vous n'êtes pas encore changé. J'ai dit à tout le monde, j'ai répondu pour tout le monde. Qu'on ne peut pas se changer parce qu'on veut vous voir. Il savait déjà pourquoi on voulait le voir. Il m'a dit, si vous voulez me voir, c'est pas aujourd'hui. J'ai dit aux autres, ok d'accord, on part à la maison. Mais que si vous partez à la maison, vous tous vous serez sanctionnés. J'ai dit que celui qui veut s'entraîner, il s'entraîne. Mais moi j'ai pas. Les autres aussi ont marché avec, ils sont partis. Ils ont suivi ma parole, nous sommes tous partis. Au lendemain, j'ai écrit un peu à tout le monde, j'ai dit, voyez ce qui se passe. On arrive, on s'échange, on s'entraîne pas. On est arrivé, on s'est changé. Il est venu pour faire commencer l'entraînement. Je me suis mis devant, j'ai dit qu'on ne peut pas s'entraîner parce qu'on nous a voulu parler avec vous hier. Vous avez dit non, il faut qu'on parle aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas s'entraîner, on ne va plus jamais s'entraîner. Ok, d'accord, on durerait les 45 minutes. J'ai dit ok. Ils sont partis à l'USM, au Monédan même. Au stade de l'intérieur, au Monédan, à la tribune officielle. Ils sont partis, on s'est assis là-bas. Là, nous étions en 2012, oui, je crois, 2010-2011. Nous sommes allés à la grande tribune. J'ai appelé tout le monde, on s'est assis. Colo était debout, tout son terrain. Il a dit, vous devez parler de quoi? J'ai répondu, oui, vous savez pourquoi? Je veux vous parler. Il m'a dit ok, d'accord. Mais tout le monde ne peut pas me parler. Choisissez 3 ou 4 personnes qui vont parler. Les autres vont juste écouter. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai demandé à tout le monde qui veut parler. Personne. Personne n'a parlé. Après, j'étais le seul à parler en fait.
tout le seul a parlé. J'ai demandé à Colo que c'est quoi, pourquoi vous voulez vous amuser des enfants? Quel esprit qui vous anime? Est-ce que c'est bien? Il m'a répondu clairement non, c'est pas bien. Mais moi-même, je ne sais pas pourquoi je le fais. Je lui ai dit clairement, tu mens. Tu fais ça depuis. Et tu sais pourquoi tu le fais. Oh non, je ne sais pas, il va faire sortir un Nouveau Testament. Voici pourquoi je me balade le Nouveau Testament. Voilà, voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est un esprit qui m'anime. Souvent, quand je termine de faire ça, d'abuser d'un enfant, je demande pardon à Dieu, tout ça. Je dis que mais tu te fous de Dieu. Tu te fous pas même de Dieu, tu te fous de toi-même parce que tu ne peux pas avoir cet état d'esprit. Et après, tu peux demander pardon à Dieu. Il ne va jamais te pardonner, là. Qu'on soit un peu raisonnable ou bien. Oh non, voilà. J'ai demandé clairement que, bon, nous sommes là, nous tous. Et ça n'est pas beau qu'on s'entraîne, nous tous. Et dans notre équipe, il y a les gens avec qui tu as eu des rapports ici. C'est pas bien. Il faut nous dire clairement avec qui tu as eu des rapports. Et là, clairement, si on veut continuer avec les gens, on continue. Si on ne veut plus, on a dit, on ne peut pas vous dire sinon ça va vexer les autres. Et ça va vexer les autres. Il ne peut pas vous dire. On a dit, ok, d'accord, comme tu ne veux pas nous dire. Je lui ai demandé, est-ce que, à part notre catégorie, tu as déjà eu des rapports avec d'autres? Il m'a dit, oui, clairement. Oui, il y a des gens, il y a même vos grands frères qui sont en première division. Que j'ai déjà westé. Mais coach Colo, toi, tu ne peux pas dire que tu as déjà westé même les gens. Oh oui, j'ai dit même en première division, c'est moi, oui, il y a beaucoup que vous voyez courir ici. On a souvent les rapports. Tellement en boule que j'étais, énervé que j'étais, bon, moi je ne voulais même pas le toucher parce que je n'ai jamais même voulu toucher, gifler quelqu'un ou bien machin. Je n'ai jamais même voulu le gifler parce que je voyais ça, c'est les malchances, il faut laisser ces personnes avec leurs malchances. Mais tout en reconnaissant toujours, on reconnaît toujours son travail. On reconnaît toujours que c'est un bon formateur. On reconnaît toujours qu'il nous a bien formés. Ça, clairement, j'ai ça pour ça, je suis reconnaissant. Mais pour le fait qu'il soit pédé, ça là, je ne vais jamais accepter et cacher ça. Non. Bon. Moi, j'ai quitté l'USM en 2013-2014. J'ai m'avais à Emergence, le club italien. Grimaldi, je ne sais pas si tu connais Grimaldi, grand frère. Mais j'ai parlé à l'Emergence, c'est un club de Grimaldi. Au club de Grimaldi. Et à cette époque, j'ai fait 6 mois. Grimaldi nous a acheté de l'USM. On est à l'USM, nous a acheté. Parce que Colo ne voulait pas que ça passe par ACL. Sinon, ACL devait refuser, il devait demander beaucoup d'argent parce qu'il savait que c'était un milliardaire italien. Qui a des affaires ici au Gabon. Donc Colo a fait tous les papiers. L'Italien nous a acheté. Il nous a mis dans un club d'émergence. On arrive à l'émergence. C'est cool. Donc, aux environs, on peut dire au mois de mai, avril-mai, il y a la sélection cadette. Il y a d'abord le voyage pour l'Italie. Que le Blanc a préparé pour son club. Et là, il dit à... C'était Capello qui était directeur technique à Emergence chez nous. Et là, il dit... Bon, voilà, je sais pas... Moi, j'ai envie d'amener 23 joueurs en Italie. Les 23 joueurs, on doit prendre 10 dans mon club Emergence et 23 et 13 dans d'autres clubs. Chez nous, on a pris 23, on est à 8. Emergence, on était, il y avait Timonchuk, il y avait un qui a même arrêté le ballon à côté de ces conneries là, Théo, il y avait Kalasek, il y avait Palop, il y avait Aaron Bupenza, il y avait moi, et il y avait un autre là, Jordan. Il nous a pris pour la sélection pour aller en Italie, c'était le Blanc qui nous avait choisi, donc on nous a pris là. Quelques mois, on faisait des entraînements pour préparer le voyage. Quelques temps après, le Blanc constate que, à un mois du voyage, quand il demande les licences et les actes de naissance à Capello, pour vérifier ceux qui appartiennent à l'émergence et ceux qui n'appartiennent pas à l'émergence,
et les acquisitions pour aller faire les passeports pour qu'on voyage, pour qu'on ait, on aille en Italie. Le blanc constate que sur les licences, il y a 10 joueurs, il y a 13 joueurs d'émergence. Le blanc constate que non. Les 13 joueurs d'émergence, mettez-vous sur le côté, les autres, mettez-vous, les autres 10 joueurs, mettez-vous sur le côté. Donc quand il constate, il voit, il y a 13 joueurs d'émergence, mais il dit que oh, mesdames et joueurs d'émergence, ils sont qu'à 8. Et les autres, moi je ne les connais pas. Comment ils peuvent avoir les licences d'émergence? Il y a le vent de l'autre côté chez le petit là. En fait, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Je vais faire jouer ici. Parce que partager, hein, parce que là, je garde la dernière note là. Et la liste, tout ça, partager. On me pose le cœur. Là, on écoute celui-là. Celui-là, il m'a. J'ai failli pleurer. Hein. Écoutez. Ça, c'est un international qui est quelque part ici en Europe qui a eu à vivre ça. On écoute. Voici, bonsoir, quand c'est moi, je te dis, je te rappellerai. Et voici ce message précis et clair. Eh bien, le coach dont on appelle Capello, renommé pour ses noms, parce que avant tout, c'est un homme technique sur le terrain, mais un monstre hors du terrain. C'est un monstre, je le dis, parce que il a détruit des vies, détruit des avenirs, détruit des jeunes, des enfants et même des adultes, pas que des enfants. Avant tout, il a détruit mes camarades et même à la mienne, il a failli, mais il n'a pas reçu parce que j'ai déclaré tout à mes parents qui l'ont menacé, qui l'ont physiquement l'ont menacé, du genre qui devrait plus jamais recommencer. Et il a essayé de se défendre avec des paroles ridicules en disant que l'enfant... il racontait n'importe quoi, mais bon, il y avait des preuves et tout, mais je l'ai supplié à mes parents de ne pas trop s'en aller dessus parce que le gars, il était protégé de partout, à la PJ, à la police, parce que en haut, il y a des gens qui comptent sur lui. Donc, il a essayé plusieurs plus comme moi. Je vais vous donner un exemple. On était en plein encadrement, on était dans les chambres. Ils étaient pas que, il y avait pas que, on était dans la sélection U17. On était dans la chambre alignée comme des militaires, chacun sur son lit, des lits superposés. Et ben au milieu de la nuit, ils venaient, souvent ils envoyaient intendant, souvent ils envoyaient coach, préparateur physique, ou bien le préparateur matériel, le coach de matériel, tout ça là, je sais pas, et voilà. Désolé, mon français m'échappe un peu depuis que je parle maintenant au moins plus de 3-4 langues, donc voilà, excusez-moi encore. Voilà, il rentrait dans des chambres et puis désolé, vraiment, ça me touche. Il va pleurer même, quoi. C'est un sujet qui me rappelle quand ça... Excuse-moi, non, c'est cruel ce qui s'est passé. Il est rentré dans les chambres et j'ai vu mes frères se lever parce qu'ils n'avaient pas de choix. Pour eux, il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas de solution. Il leur demandait de la suivre et puis quand ils revenaient, ils n'arrivaient plus à dormir. Pendant toute la préparation pour les matchs de sélection, mes frères pissaient du sang dans les toilettes, dans les douches. Tu les voyais, le sang sorti des fesses. Des matchs, ils n'arrivaient plus à jouer, ils n'arrivaient plus à courir, à accélérer. Je me demandais qu'est-ce qui les arrivait, mais personne ne voulait répondre parce qu'ils ont promis, s'ils parlent, ils finiront oubliés parce qu'on leur promet de les jeter au cap. On leur promet de les sacrifier s'ils osaient parler. C'est totalité secret. C'est du genre secret. Si tu veux continuer à évoluer de sélection en sélection, tu dois garder ce secret parce que c'est d'en bas jusqu'en haut. Et j'ai vu des amis, des frères qui ont commencé de U17, U20, U23 jusqu'en équipe A même à présent qui jouent, qui sont passés par là. Et c'est vraiment décevant et vraiment... C'est un truc de fou parce que
Une fois, on était en stage pour 5 jours et la quatrième nuit, ils sont venus à moi. On était à deux, il y avait mon frère en bas et moi. Bon, quand j'ai dit mon frère, c'était mon meilleur ami. Et ils m'ont réveillé, ils ont réveillé, je les ai suivis. On est rentré dans une chambre toute lumière rouge. Il y avait des messieurs toutes nues, des messieurs à poil, tous capello. L'intendant, j'ai oublié leur nom, et en fait, toute sa délégation, toute son office, ils étaient là. Ils ont commencé à me toucher, et toucher mon frère, et je n'arrive pas à comprendre, mais j'ai voulu hurler. Ils m'ont dit, si tu hurles, tu rentres chez toi. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes malade ou quoi? Ils ont voulu commencer à me demander de leur faire des filiations, de m'astuber et tout ça là, et puis j'ai refusé. Et au final, ils m'ont menacé que j'aurais pas de prime, j'aurais pas de rien, je finirai au banc jusqu'à la fin du tournoi et on va rentrer chez nous. Et j'étais choqué, j'étais traumatisé, j'avais plus les mots, j'avais que des larmes. Et mon frère à côté, j'ai vu comment ils étaient en train de le violer. Et il me regardait, il me disait, dame, faisons-le, puis on sort de là. Eh Je Dieu, le regardais des yeux dans les yeux, Dieu. j'ai commencé à prier. Parce que mes parents m'ont appris, il n'y a que Dieu qui est capable de le faire, personne d'autre. Et j'ai commencé à prier, prier, et puis je me suis levé. Je voulais sortir, la porte était fermée. Et ils m'ont jeté au sol, ils m'ont. Il y avait deux gardes-corps bien costauds dans cette chambre, bien. C'est comme s'ils étaient préparés depuis des. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Il y a un monsieur que tu n'as jamais vu, qui est habillé d'un des habits. C'est comme des pratiques rituelles. Il est assis, il voit tout ce qui se passe. Et les messieurs sont allongés, d'autres assis sur le canapé. Mais le monsieur puissant, il est assis dans un seul canapé. Et il est entouré des bougies et des lumières bizarres. Et c'est un truc de ouf, comme dans les films nigériens. Mettez les cœurs partagés, s'il vous plaît. Et j'essaie de me battre, et le monsieur me force à leur faire la pipe. Ensuite, à la fin de l'affiliation, j'ai dit quoi? Impossible. J'ai pleuré, hurlé, 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 jusqu'à ce qu'ils ont fini mon frère. Ils l'ont laissé partir. Ils m'ont dit, toi, c'est fini la sélection. Tu ne rentreras plus jamais en sélection. Plus jamais. Et même si tu oses parler, ta famille et toi, serait éliminé. Et quand je suis rentré, j'ai plus jamais, j'ai pas joué pendant. On a joué 4 matchs. J'ai joué qu'un seul match, le dernier match, parce que tous mes coéquipiers étaient, bon, pas tous les joueurs qui jouaient à ma position et d'autres, pissaient du sang. Non, 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 ne m'appelez pas encore, ne m'appelez pas encore. Ne m'appelez pas encore, s'il vous plaît. Black Op à la prod. Ne m'appelez pas encore, ne m'appelez pas encore. S'il vous plaît. Oh Dieu. Coupez même le truc. N'appelez pas encore, le micro n'est pas encore ouvert, s'il vous plaît. N'arrivait pas à accélérer, n'arrivait pas à s'asseoir, à ça. Il dormait par le ventre toute la nuit, pleurait la nuit. D'autres, c'était des insomnies, buvaient des doliprane comme de l'eau. C'était un truc de ouf. J'ai fait tout ça là, j'étais traumatisé. Quand je suis entré chez moi, je l'ai fait par à mon oncle, celui qui m'a motivé du football, qui m'apprenait tout, et puis je l'ai tout dit, et puis il était rempli de haine et de colère. Il voulait tout juste aller et puis détruire cette personne. Mais il a fait signal à ma mère, et ma mère était folle de crainte. Elle m'a mis à l'hôpital pour vérifier, et puis ils n'ont rien trouvé. Ils ont dit, l'enfant va bien, mais bon, il faut parler à la police. Mais on ne pouvait pas, et voilà. Et je voulais vous dire que y en a plein. Je peux vous donner des noms comme Yamba, un joueur de foyer de football, comme Owen, comme même le fils d'Ngari. Lui, il était le seul protégé de tous. Personne ne le touchait. Le fils d'Ngari, Idriss Ngari, on l'appelle Andy Ngari, son fils. Il était le seul protégé, mais le reste, c'était la torture. Et j'ai vu plein, plein, plein. Owen, Yamba, Iwobo Spinger, Lionel, Erwan,
Même Rogombe, surtout Rogombe, lui c'était la femme de Capello, le petit jeune Rogombe là qui jouait à 105, il a joué dans plein de petits clubs, la AGA, c'était terrible. Et il y en a plein, je peux dire encore beaucoup, mais j'ai pas envie que. J'ai juste peur, et voilà, et je veux juste que ce temps soit arrêté. Capello, Colo et toute votre bande là, je vous jure, ma mère, en fait, ce que vous faites, regardez comment vous êtes en train de détruire les jeunes Gabonais. Et toi, Capello, tu as l'audace de faire une publication dans laquelle tu oses dire que tu ne reconnais pas ça. Capello, Capello, l'histoire que tu es en train de faire là, parce que là, il y a des personnes, parce que là, je vais maintenant vous mettre le live, l'audio d'un ancien footballeur Gabonais. Le petit qui a parlé là, c'est un footballeur actuel. L'autre là, il a tout le Nzobu. Et là, maintenant là, vous allez comprendre un truc. Parce que ça fait plusieurs années que vous faites ce type de pratique à nos jeunes enfants. Vous les menacez, vous abusez d'eux. Oh, les Gabonais sont des talentueux. Je ne sais pas ce qui vous arrive, Capello, et toute ta bande. Parce que ça commence des vestiaires jusqu'à la présidence de la République. Cette manie que vous avez à faire à gaspiller la jeunesse gabonaise. Les petits ont demandé qu'on a joué du foot. À jouer au foot, les gars. Mais vous, non. Il faut que vous restez les enfants. Vous menacez leurs parents. Donc voilà pourquoi pendant plus de 20 ans, les gars ont eu peur. Les gars, dorénavant, n'ayez pas peur. Capello est déjà. Vous voyez même pas comment les PNJ sont en train de le décharger. Il y a deux choses. Soit Capello va aller au Gata. Parce que les PNJ, là, ils ont peur. Que tout leur blazar, et là, ça va sortir, vos dons là vont sortir là. Capello, il va aller au Gata parce que les gars là vont le livrer. C'est à l'international, les gars. La prochaine fois que vous allez entendre les notes vocales que je mets là, ce sera à France 24. Quand Robert Moulina va publier ça à France 24 en live, c'est là où vous allez apprendre votre histoire là. Vous avez. Capello, tu dois venir faire une déclaration publique, tu es un sorcier. Et toute votre bande là. Et là, maintenant, on va écouter l'audio là. Ça dure 34 minutes. Je vais vous mettre les 34 minutes là. C'est révélation sur révélation. Préparez vos cœurs. Préparez vos chaises. Parce que là, ça c'est le gang, gang, gang. Préparez tout. On va écouter ça. Là, maintenant, j'étais obligé. Parce que le papa, tellement énervé, il a mis les organes. J'ai été obligé de voir mon petit balcon qui a eu à mettre des bips. Quand vous entendez bip. Ça veut dire Westé. Pip! Ça veut dire que c'est mieux là, West. Pip! Donc j'ai mis les bips à l'intérieur pour éviter que Facebook vienne me tayam. Parce que les déclarations qui vont suivre là, il y a plus de 100 noms. Et avec une histoire détaillée, détaillée, détaillée. Tous les gars là, vous allez dire, je ne mens pas. C'est là, c'est posé là, vous allez me l'entendre. Vos noms vont sortir. Amenez les noms. C'est là, maintenant, le concept. Ça va partir. Ça va faire la genèse. Ça va quitter du sommet. Du commencement, jusqu'au, on va savoir qui est qui où est-ce qui a machin qui machin qui, ça a commencé où, qui a... Et là, c'est maintenant le gang, gang, gang. Allons-y, maintenant, vous allez apprendre que moi, le balcon chef, quand je prends un dossier, je vais jusqu'au bout. Et toi, Capello, il y a deux cas. Soit on va te prendre, parce que les PDG, toi, tu mets ton gâteau. Soit nous-mêmes, on va tellement faire le bruit qu'on va éliminer le gars, on va sanctionner l'équipe nationale, là. L'équipe nationale, elle va terminer sanctionnée. Donc, à vous de voir là-bas, on va écouter, vous n'êtes plus jamais, au plus grand jamais, wester les enfants là. Je fais ça pour les enfants qui sont bled, que vous êtes actuellement en train de wester. Maintenant, vous écoutez vos noms, vos femmes, vos enfants. Vous écoutez maintenant vos blazes là, ici là. On continue maintenant. On n'a pas pu avoir, on n'a pas pu avec Zigo Shivasta. Et tu prends un stylo, un format A4, et y, au bien, et à l'équipe nationale. Pas mal de temps. Donc, je n'ai jamais été à l'équipe nationale pour plusieurs raisons. Voilà. Alors, donc, je vais commencer. Au début des années, en milieu des années 90, je veux dire, aujourd'hui, le monsieur dont on parle, il s'appelle, il faut bien retenir, hein, bro. Ça dit quand. Quand tu lis l'audio et il y a quelque chose qui te semble beau à entendre,
ou quelque chose que tu peux t'appuyer, une chose sur laquelle tu peux t'appuyer, une information, n'est-ce pas? Il faut noter. Ça veut dire que tu prends un stylo et un format A4. Excuse-moi, je disais quand j'ai la toux là. Un format A4, tu vas noter les détails, parce que ce sont les détails qui sont les preuves. Voilà. Alors, le monsieur dont on appelle aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, il s'appelle Patrick Assoumou Eyi Obiang. C'est son état civil. Capello, c'est lorsqu'il a l'équipe au Rambaka. Au Rambaka s'entraînait derrière le stade annexe à l'époque, avec des très bons joueurs. Ça, c'était la crème des jeunes joueurs de l'Estuaire. Bro, quand on te parlait de Larry Yannick, qui était à la FOPI avec Ndigo Chivasta, on te parlait de Mtoutoum Clovis, qui est aujourd'hui percepteur ou directeur, professeur des impôts, je crois, à Lambaréné. Il y a un autre qu'on appelait le Mexicain. C'était des gars forts. Et je crois que cette équipe-là n'a pas pu faire l'enfeu. Capello a dissous l'équipe. Et quand Capello dissous l'équipe, il entre en Dela. Il vient en Dela énergie, l'équipe de la SEG. Voilà où commence l'histoire du type. Quand l'histoire du type commence, mon cher, il vient en Dela. Alors, pour la petite preuve, je te donne déjà un détail encore. Andela, il nous fait l'appeler Papa Eyamba. Parce que, à l'époque, j'étais Andela. Andela n'avait pas de minimes. Andela venait de dissoudre les minimes. Et ils ont dit, Andela, désormais, on doit commencer en cadet. Donc, tous les minimes, ils nous ont fait monter en cadet, même quand on n'avait pas l'âge. Mais c'était un centre de formation. Andela, on s'entraînait comme en Europe. C'était vraiment le football. On avait dans les jambes, on était prêts. Alors, Capello nous fait l'appeler Papa Eyamba. C'est un détail. Je crois que même s'il écoute ça, ou ceux qui ont été en délai avec moi à cette époque, ils comprennent, ils sauront que c'est ça. Ensuite, il s'est fait surnommer Capello Constantino. Il ajoute Constantino. Il dit qu'il est de la famille présidentielle de la Guinée équatoriale. Patrick Assoumou Eyi Obiang. Il dit, je suis de la famille présidentielle de la Guinée équatoriale. Papa Eyamba. Il nous fait l'appeler comme ça. Alors, Capello, cette année, il a le tournoi de Montaigu. Il y a le tournoi de Montaigu qui se joue en France. C'était un tournoi de moins de 15 ans. Il y avait le tournoi de moins de 17 ans qu'on appelait Saint-Jean de Luz à l'époque. Tournoi de Saint-Jean de Luz. Alors, quand Capello ferme au Rambaka, ben, certains joueurs comme les Larry Yannick vont à 105. Ndigo Chivasta va à l'USM. Mais quand Chivasta arrive à l'USM, tout feu, tout flamme. D'accord? Il jouait la pointe d'attaque avec Théodore Zuengueman, qui revenait à l'époque, je crois, entre l'USB et Mbilinga, l'un de deux clubs. Soit l'un, soit l'autre. Capello ne commence pas. Celui qui ouvre le bal, c'est M. Guy Manderano. Guy Manderano. Il faut noter le nom. Alors, Guy Manderano, qui est le père spirituel de Capello dans leurs bêtises, demande à Capello de lui donner à Chivasta Ndigo. Et Guy Manderano commence à Chivasta. Jusqu'à ce qu'ils amènent Chivasta en France, jouer au tournoi de Saint-Jean-de-Luz. Chiva n'est même pas retenu lorsqu'il arrive en France pour jouer au tournoi. Aucun club ne retient Chiva. C'est Théodore Zuengueman à l'époque qui jouait avec Angers en national. Quand il voit le petit, il dit, oh mon petit, comment ça s'est passé? Il dit, je gagne sur le jour de tournoi avec l'équipe nationale de U17. C'est comme ça que Zuengueman, puisqu'il jouait très bien avec déjà Chiva au pays, il demande aux dirigeants d'Angers de garder Chiva au centre et lui prend la responsabilité comme tuteur. Voilà l'histoire. Chiva va à Angers, ensuite, il fait une bonne saison,
Il est le meilleur buteur national de moins de 17 ans, comme ça. Tous les clubs viennent derrière lui. Et c'est pour ça que Chiva choisit Nantes. À l'époque, Chiva avait beaucoup d'argent à Nantes parce que Nantes était le seul club qui offrait un contrat professionnel, même si on lui demandait de s'aguerrir encore au moins 2 ans au centre de formation. Bon, lui donnait déjà un contrat professionnel. C'est ce qui a fait que Chiva ait beaucoup d'argent même quand il était au centre de formation. Donc, Chiva Star, alors, tu as vu les confessions de Chiva Star, les témoignages, comment il disait qu'il était en couple avec quelqu'un. C'est Guy Manderano. Et ensuite, venu Capello, parce qu'il est entré dans le bain avec Guy Manderano, il a commencé. Et voilà. Capello commence à Chiva Star. Voilà. Et quelques années plus tard, Capello devient maintenant le grand tous les petits, mais il a commencé la classe de Stéphane Guémin. Capello que vous voyez là, il a Stéphane Guémin. Tout ça, nous sommes des cadets quand les Stéphane vont en Europe. Oui. Capello a Stéphane Guémin, il ne peut pas nier ça, Guémin Stéphane. Ils sont entrés dans cette sauvagerie là. Alors, après ça, Capello, dans quelques années après, il est toujours en Andela. Voilà. C'est comme ça que il recrute un autre coach qu'on appelle DJ. Son petit nom, c'était le coach DJ. Voilà. Mais Capello a la meilleure équipe de jeunes au Gabon. La meilleure équipe de jeunes au Gabon. Ndela était la meilleure équipe de jeunes au Gabon. Je te dis, bro, il y avait des talents en Ndela. Je vais te citer les noms pour que lorsque tu sauteras ces noms, ils comprendront. Tu avais des gars comme le Onchoussou, Gildas, très bon gardien, meilleur même de sa génération au pays. Tu avais Nko Cédric, qui était le capitaine de Ndela. C'était le seul joueur de deuxième division que tous les clubs de première division au pays voulaient de lui. Maître Nko Cédric, on l'appelait Maître tellement il était fort. Tu avais des gars comme des Damas Félix, milieu de couloir. Ameke Kossi, etc. J'en passe. C'est des noms que tu peux noter. Si quand tu vas exploser encore sur la toile, si doute, tu cites ces noms-là. Voilà. Tu avais Guy Mambou David aujourd'hui qui est professeur d'EPS, il est au lycée national Léon Bas. Là, je vais apprendre qu'on vient de l'affecter à nouveau. Il est parti ailleurs. Voilà. Tu avais Claude-Henri Vemintsa. Voilà quelqu'un qui a encore été sauvagement par Capello. Claude-Henri Vemintsa. Alors, Ndela joue la montée en première division. Ndela rate en finale contre une équipe de Port-Gentil. Et Ndela ne monte pas en première division. Et contre une équipe de l'Espire, c'est Gabon Télécom qui monte en première division. L'équipe de Hervé Fulgence Ossami, qui était le mari de Nadine Bongo, la fille de Bongo Ondimba à Eladjoba Bongo Ondimba. C'est comme ça que Vemintsa quitte de là pour aller à Gabon Télécom. C'est des problèmes. Capello l'a même parce qu'il ne voulait pas s'éloigner de ses proies. Capello l'a même il a eu des sérieux problèmes. On arrive Vemintsa. Oui. Alors, quand il termine là, Capello, il amène un adjoint à lui, le coach DJ. Nous, on est maintenant à l'antichambre, donc junior deuxième division. Alors, et j'ai mon ami, qui est, je crois, le fils de Lambert Mata, ou son neveu. Il s'appelle Hilaire Mata. Capello l'a pour aller au tournoi de Montaigu en France. Hilaire Mata, il écoute cet audio, il se reconnaîtra aujourd'hui. Il travaille au ministère des Mines. Il est en ville là, en face du ministère des Eaux et Forêts, je crois que c'est le ministre des Mines et du Pétrole. Il s'appelle Hilaire Mata. Voilà. Capello l'a pour l'amener en Europe, joue le tournoi de Montaigu. Quand les parents d'Hilaire ont appris ça, on a suspendu à Hilaire le football. C'est comme ça qu'il a gagné le bac, il est allé à l'institut de gestion. Il est sorti et il travaille au ministère des Mines. Gloire soit rendue à Dieu pour lui. L'équipe de Ndela avait les meilleurs joueurs de notre pays. Les meilleurs joueurs de ce pays.
Koundéla gagne un tournoi de moins de 17 ans, tournoi national. Et Koundéla est invité pour jouer un tournoi de détection de la même génération, de la même catégorie, en Namibie. C'est Paul Manon, le père de Régis Manon, qui était directeur de l'école de foot du CDM, qui sabote Koundéla. Pour dire non, c'est l'école de foot qui s'en va. Une équipe bête à l'époque. Et ils partent. On les élimine au premier tour. Bon, bref. Là, n'est pas notre sujet. Alors, dans l'équipe de Koundéla, il y avait un libéro, défenseur central. Alors là, c'est vrai qu'un garçon, ne dit pas un garçon qu'il est beau, mais mon frère, là, c'était un très beau garçon. Nzé Franck. Nzé Franck, Capello habite Nzé Franck. Au point où Capello habite, Nzé Franck habitait avec Capello. Nzé Franck, c'était le meilleur libéro des 10 dernières années de sa génération. Tout le monde voyait Nzé Franck comme un joueur du blanc. On savait qu'il avait, il était premier, une grande carrière. On l'appelait Lucas Radebe. Capello a Nzé Franck fatigué. Nzé Franck fatigué. Nzé Franck a même failli avec l'hémorroïde. Aujourd'hui, Nzé Franck est à lui. Il est maintenant dans les réseaux des parce qu'il a pris goût, ça devient sa vie. Il met même les couches, Nzé Franck. Aujourd'hui, Nzé Franck. Capello Abassi Kamilou, qui était le meilleur attaquant du CMS. Juste pour les appeler à l'équipe nationale. Capello les a baisés. Alors, à cette époque, quand on veut monter avec la D2, étant en junior, Capello, moi, veut me... Moi qui te parle, il veut me... Je dis à Capello, mais tu es malade. Moi, j'avais confiance en ma mère. À cette époque, ma mère me disait, dès que tu as le bac, je t'envoie en Europe, tu vas être professionnel. Donc, je m'en foutais. C'est pour ça que je quitte Koundéla. Je m'en vais à l'USM. Quand j'arrive à l'USM, l'USM a deux équipes avec un effectif très, très étoffé. Donc, ils ont divisé l'équipe. Ils ont inscrit une deuxième équipe en Ligue de l'Estuaire, parce que c'est l'Estuaire là-bas. L'équipe s'appelait Magnan. Donc, il y avait Magnan Mini, Magnan Cadet, Magnan Junior. Et c'était géré par un Camerounais qu'on appelait Baokim, Monsieur Baokim. On l'appelait affectueusement Prézi. Quand j'arrive, Prézi veut me faire signer la licence au bureau. Il me dit, mais tu as eu quel problème avec Capello? Je dis, je n'ai pas eu avec Capello, sauf que Capello me met au banc, je ne sais pas, pourtant j'entre dans son système de jeu. Et je ne sais pas pourquoi. Je suis régulier à l'entraînement, je suis même en forme. Mais Capello ne fait pas confiance. Donc du coup, pour éviter d'être au banc, j'ai décidé de partir de Koundéla pour venir à l'USM. Parce qu'il savait déjà de quoi il s'agissait. Et si je disais ce que Capello voulait réellement de moi, il devait comprendre que je suis un homme averti. Et du coup, pour Prézi, M. Baokim, donc quand aujourd'hui quelqu'un me dit, quelqu'un disait dans un direct que Jean Boniface a scellé, c'est pas faux. Parce que Jean Boniface Asselé, qui est président de l'équipe, c'est que Baokim passe le temps à les enfants. Et quand il veut me faire signer, il me donne la condition. Il me dit, il doit me mettre dans la présence d'esprit au jardin d'Éden. Bon, intelligent que je suis, je sens tout de suite que c'est la chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux me dire, la Prézi? Il dit, mon petit, écoute-moi bien, l'acquisition de chaque chose dans la vie a un prix à payer. Et le haut niveau a des exigences. Je lui ai donc joué le championnat provincial de moins de 20 ans junior. C'est ça le haut niveau pour toi? Il dit oui. À l'époque, à l'USM, Moubamba Cédric était en milieu de terrain. Tu avais les Mombo Eric en milieu de terrain. Tu avais le Dauphin Poitiers Parfait. Il y avait deux Congolais, Baudry Maswaga et Fabrice Bagamboula. Il me dit aucun de ces gars-là n'est plus fort que toi. Je dis, ah, il m'a dit oui, aucun de ces gars n'est plus fort que toi. Si je te tu sens comme un feu follet maintenant. Je lui ai dit, bon, je vais réfléchir. C'est comme ça que toute la semaine, je m'entraînais, je lui disais rien. La deuxième semaine, je m'entraînais, je lui disais rien. Un autre jour, il m'amène dans son bureau. Il me montre trois gars aujourd'hui. Alors, il faut bien noter les noms. Trois gars. Congo Gaël. Ça, c'est son nom. Congo Gaël. Mbina Judas. Mbina Judas. Et Mistoul Edzan. Mistoul Edzan. Alors, qui était, je crois, le fils ou le neveu du général Mistoul à l'époque, qui était à la police. Il me dit, regarde, tout cela.
Ça fait au moins 3-4 jours qu'ils sont au jardin d'Eden. Hein? Ils ont la présence d'esprit là. Mais ils sont forts. Je suis obligé de les amener à Kadjisport Academy au Cameroun. À l'époque, c'était le plus grand centre de formation après la SEC Mimosa. Après la SEC d'Abidjan, le plus grand centre de formation en Afrique noire, parce qu'il dépassait les centres de formation sud-africains, c'était la Kadjisport Academy. Et je suis obligé de les amener. Et comme je suis camerounais, ça va être très facile pour les gars intègres. J'ai dit, ok, ben, moi j'ai décidé de ne pas accepter ça. Il me dira, donc tu vas partir de l'USM. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que je décide de partir avec. Je m'en vais au Tout-Puissant à Kouembe. Et quand j'arrive au Tout-Puissant à Kouembe, je commence à jouer avec eux. Et le coach d'Akouembe, il est limogé. Le coach Abat. C'est comme ça qu'il décide de vouloir faire monter l'équipe d'OIM en première division. À l'époque, l'équipe s'appelait Nkoumékien. Nkoumékien, l'équipe d'OIM. Moi, je te parle à... Bon, j'ai seulement eu la chance de jouer tôt, hein, mais je suis de 85. Je suis né en 1985, j'ai 36 ans. Voilà. Donc, on va trouver le coach Abat. Et le coach nous amène signer avec Nkoumékien, l'équipe d'OIM. Et quand on arrive avec l'équipe de Nkoumékien, on joue, voilà, on joue la... Partager, on est basé à l'Espagne. Partagez, si vous voulez. On joue avec Nkoumékien. Tournoi national de moins de 17 ans. Donc, chaque province devait amener une équipe. Ah. Donc, moins de 15 ans d'abord. Donc, ça devait se jouer dans la Ngounié, à Mouila. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'était passé. Ils ont décentralisé ça à Fougamou. Capello fait l'équipe. Mais Capello amène l'équipe à Mouila. Mais dans l'équipe de Mouila, qu'il amène, dans l'équipe de Mouila, il amène un jeune libéraux de l'USM. Un jeune libéraux de l'USM qu'on appelait Kangou. Kangou. Il était adjoint d'Abani, il était adjoint d'Abani. Capello a le petit à Fougamou. Il a même voulu Damas Félix. Ils se sont battus avec Capello dans le bus. Dans le bus. Capello et Damas se sont battus dans le bus. Parce qu'il a fait la proposition à Damas Félix qui veut le. Damas a refusé. Un joueur de là, un milieu offensif très fort. Il était le joueur le plus rapide de l'estuaire, mon frère. Sénégal, aujourd'hui, si c'est l'équipe nationale, ne parlait pas du Gabon comme ça. Oui, Capello. Il a voulu Damas Félix dans le bus, à l'hôtel. Damas a refusé, ils se sont chamaillés même à l'hôtel. C'est pour ça qu'en montant dans le bus, quand Damas monte, Capello le touche aux fesses. Oh, mais bagarre avec Capello. Donc, tu vois aujourd'hui, tout ça, ça se passe comme ça. Après, moi, je vais à l'étranger. Je vais à l'étranger commencer une aventure de professionnel. C'est là où ça devient dangereux. Quand je viens les vacances, j'étais allé faire un essai et ça n'a pas abouti. C'est comme ça que j'ai joué avec une équipe de deuxième division au Cameroun. Je suis allé faire des essais avec une équipe de première division. Ça n'a pas marché. J'ai joué avec une équipe de deuxième division. En sortant de là, quand je rentre, je vais maintenant jouer avec l'USB. Quand je vais à l'USB, je trouve le coach, c'est Thierry Ebobola. Mais Thierry Ebobola, un western. Il me dit, tu veux signer à Bitam, tu deviens ma petite. Mais je l'ai insulté. C'est comme ça que je parle de Bitam. Alors, écoute-moi bien. Écoute bien. Bitam, il recrute un jeune Camerounais qu'on appelle Benjamin Nze Ondo. On a eu de la nationalité gabonaise. Il a joué ici avec le Charlie Moussono. Benjamin Nze Ondo, mais c'est la femme de René de Maison Obian. Un grand et tout le monde a championnat national avec lui. Là, il ne cachait même pas. Il ne cachait même pas. Il se faisait un par René de Maison Obian. Aujourd'hui, Benjamin Nze Ondo, il a des hectares de terrain à Bitam. Donné par René de Maison. Et pourtant, c'était un très bon joueur, un gaucher. Tu vois quelqu'un qu'il est blessé, moi, on l'appelle à l'équipe nationale, il a le plâtre. Moi, on le convoque. On Kumbich, quelqu'un qui est en forme, on lui a enlevé, lui, il a appelé Nze Ondo. Il a le plâtre. On me voulait l'amener pour quelle raison? Alors, même s'il ne joue pas, amenez-le. Décision du ministre de la Justice du Sport. René de Maison, bien. Il a Nze Ondo Benjamin. C'était carrément sa copine. Alors, le comble de cela,
C'est que Capello est arrivé à un niveau où il méprisait même déjà ses victimes. Devant moi, je suis au stade Augustin Monedan de Cibank. Un match de première division, Ndela et Sogea contre USM. Capello entre, il ose dire, ah, là j'ai au moins 8 petites dans les deux équipes. Dans chaque équipe, j'ai au moins 4 à 5 bébés. Donc j'ai au moins 8 ou 9 bébés là sur le terrain. Effectivement, 8 personnes ou 9 personnes qui l'enculent. Voilà. Donc, pour ne pas être long, je vais te faire un récap. Capello, c'est le fils spirituel de Guy Manderano. C'est Guy Manderano qui amène Capello dans le mousse pour les footballeurs gabonais. Ça, c'est un point. Capello a commencé à Chivas Panzigu après Guy Manderano. Il a Gema Stéphane. Ça, c'est le nom, il faut noter. Capello a Gema Stéphane. Abassi Kamilou qui était au CMS à l'époque. Tout ça parce que c'était le coach national de moins de 17 ans. En tout cas, c'était le coach national. Toutes les catégories de jeunes, c'était lui. Les 15 ans, les 20 ans, les 17 ans, c'était lui. Donc, il a Shiva, il a Gema Stéphane, il a Abassi Kamilou, il a Hilaire Mata. À côté de ça, aujourd'hui, à l'équipe nationale du Gabon, Ekwele Manga est un grand. Il a Wilfried Eban, qui joue à Lorient. Ekwele Manga, le. Ekwele Manga que vous voyez là. Il faut être du milieu pour savoir ça. Non, Ibrahim, c'est un. Il avec Mikala Orphée qui habite à Petit Paris. Bon, je dis, même si c'est. Même comme on dit, par exemple, Pierre-Emerick et Willy Aubameyang. C'est des frères, non? Même pas mes mères, non? Est-ce que quand ils sont en groupe dans l'équipe nationale, ils dorment dans la même chambre? Non. Même s'ils deviennent, ils le tournent l'autre. Mais il a quand même sa chambre, Emerick a sa chambre. Mais je te dis, en regroupement au nomade, ici, en Gondje, Ndon Ibrahim avec son mari Mikala Orphée. Ibrahim, c'est un. La seule chose pour laquelle on regarde encore Ibrahim, c'est parce qu'il joue avec l'amour du pays. Il a l'oreille de l'air, comme disent les Camerounais, le cœur. C'est tout. Mais c'est un. Rien de maison bien, c'est des. Ils ont les petits ici. Rien de maison bien, là. Ils ont pédé les jeunes. Ils ont bousillé le petit, le cousin de Edmond Mouélé, Dinda Müller, le petit qu'on appelait Dinda Müller, il est aux Jeux Olympiques en 2012 avec la sélection du Gabon, latéral gauche. Dinda Müller. Ils l'ont pris dans le milieu, il est hémorroïde. Il a failli à 4 ans à l'hôpital militaire, on a opéré l'hémorroïde. Dinda Müller. C'est pour cela que Edmond Mouélé est parti de l'équipe nationale parce que Daniel Cousin voulait aussi le. Parce que Cousin aussi c'était un homosexuel. Il voulait aussi Edmond Mouélé. Et il n'acceptait pas. Voilà. En dehors de ça, tout le Gabon savait qu'on avait attrapé à l'hôtel Gernot Rohr, le coach du Gabon, il fut un temps en train de Charlie Moussono. En train de le. C'est le point à retenir. Tous ces noms-là, il faut les sortir. Gernot Rohr, entraîneur du Gabon, tu vas regarder sur le net en quelle année, je ne sais plus trop là. Il a Charlie Moussono. Voilà. Et Kouele Manga, et Bamé qui joue à Lorient. Non, Ibrahim, c'est patron des enfants. Aujourd'hui, quand vous voyez les bons joueurs qui passent, regarde, voilà quelqu'un que je voulais oublier. Celui qui a maintenant le quoi, ils sont d'une position qu'on appelle Lévi Madinda. Grand, lui là, il se fait au niveau même, parce que il se fait par Ali, il se fait par Frédéric Gassita. C'est des grands. Donc voilà un peu, bon, ça fait pratiquement 30 minutes d'audio. Si tu as quelque chose qui t'échappe, tu me reviens et je te libère ça. Voilà. Donc je reprends la généalogie des dans le milieu du football gabonais. Guy Manderano, qui a commencé. En dessous de lui, Capello et Yves Constantino de la famille présentée et de la Guinée équatoriale. Papa et Yamba, quand tu vas, note ça bien, quand tu vas booster, quand tu vas encore péter sur la toile, tu dis que Capello, tu ne te faisais pas appeler Papa et Yamba. Donc Guy Manderano, Capello, coach DJ de l'USM, Monsieur Baokim, d'un sujet camerounais, affectueusement appelé Prezi. Voilà. C'est des p. Ça, ce sont les coachs. Tu avais un autre coach à Tungi, l'équipe de Tungi qu'on appelait Dea. Dea, un camerounais aussi. Peggy, là je te parle même. Peggy a abandonné près de 10 jeunes joueurs gabonais à Istanbul. Il les a. Il a dit, je vais vous amener dans les clubs à Istanbul.
comme la carte de séjour à Istanbul est partie à 300 euros. Il arnaque au moins 3 millions à chacun, à ses enfants, aux parents de ces enfants-là. Il les amène, il les entasse dans une chambre. Il fait la carte de séjour pour que les enfants. Aujourd'hui, c'est les enfants qui se baladent n'importe comment à Istanbul. Pas de club, rien. Ils passent le temps les en. Il s'appelle Peggy. Voilà. Donc, on récapitule. Capello, Guy Manderano, Kevin Ibinga de Mounana, l'entraîneur qui était à Mounana, ils ont comme tu vois, ils ont le petit Boupenza. Boupenza, c'est un je t'apprends. Aaron Boupenza, que tu vois qui a l'équipe nationale là, c'est un grand Boupenza, c'est un grand. Dernièrement, il était là dans le Rhône-Alpes, à Villefranche, à côté de Lyon, à 30 minutes de Lyon en voiture. Il se plaignait. J'ai un frère gabonais pour dire, je ne sais pas. Et pourtant, il m'a demandé. Il n'aurait plus de crainte quand le journal de Bordeaux l'a viré. C'est un grand salon, c'est ce le petit là. Je l'ai vu en 6e au lycée Montalier. C'était mon lycée, moi je suis voisin au lycée Montalier. Il jouait avec mon petit frère aujourd'hui qui est en France aussi. Qui joue à Châtre en banlieue parisienne. Un les Constant Tambucha. C'est des PD. Guy Manderano, Capello, Kevin Ibinga, Constant Tambucha. Ça c'est pour les coachs. Hein. Monsieur Baokin, alias Prezi. Monsieur Colo, qui a l'équipe olympique de Colo. Qui encore là? Mais ils sont pleins, bro, ils sont pleins. Donc. Seigneur Jésus. Non, là, moi, je suis choqué, en fait. Là, sérieusement, moi, le Badoukon, mon chef. Je suis choqué. Vous savez, hein, les gars, moi, je vous le dis, hein, vous voulez intimider les gens là comme vous voulez faire là. Cette histoire-là, je vous dis que les audios là et tout, en fait, si vous ne comprenez pas, la même manière dont vous filmez les gars là en question, les gars aussi vous filment. Dès que je vais terminer le live là, et les supports audio et vidéo. Parce que je ne veux pas mettre ça sur... Non. On va envoyer ça à Molina. Molina va balancer ça. Vous allez voir, je vous jure ma mère, vous allez voir ça France 24 dans les jours qui suivent. Comme vous avez vu son poste, il y a le judo aussi. Le judo avec Mélanie Nguang. Il y a le handball avec Nicolas Sellé. Le foot là. Je vous dis ça. Hein. Il n'y a pas que Capello que vous allez damer. Il y a toute une chaîne là. Vous ne pouvez pas prendre les enfants. Voilà pourquoi l'équipe nationale du Gabon, c'est ça. Moi, en Coupe d'Afrique, je ne vous supporte pas. Je vous dis ça clair. Vous êtes des omelettes. Je ne peux même pas un peu. Je dis moi donc. Je vous en marre d'abord, Kinda. Parce que vous êtes là, en ce moment-là. Vous avez les couilles molles. Mais vous acceptez qu'on fasse ça aux enfants qui sont au bled. Aux enfants qui sont au bled. Vous n'avez pas de remords, vous. Et Capello Rose, venez dire aux Gabonais. Mais Capello, tu es malade, hein. L'homme aussi est lent. Donc Capello, tu oses venir dire au Gabonais que tu ne reconnais pas ça, mais tu es fou. Je vais t'insouffler la présence d'esprit. Regardez comment il y a beaucoup de Gabonais, des jeunes Gabonais talentueux, qui sont devenus des grands fumeurs, des grands braqueurs, des grands buveurs. Parce que vous avez tué l'espoir de la jeunesse gabonaise. Et c'est ça votre boulot, tuer les espoirs de la jeunesse gabonaise pour les omelettes. L'humanité, tu te rends des grecs pour Mbitunga, tu demandes à Tanga de te mettre un doigt dans le couaïs pour que tu lèves ta bite. Tu demandes qu'on te foute le doigt dans le couaïs. Tu fous le doigt avec tout le monde. Jusqu'il vous boutonne le tête. Seigneur Jésus de Nazareth. Putain de merde. Oui, allô. Bonsoir, est-ce que là c'est pour les témoignages? Parce que là moi je suis avec des audios de témoignages en fait. Mais j'appelle, je suis en direct là. Oui, tu es en direct, mais moi je t'ai précisé, ceux qui appellent c'est pour les témoignages parce que j'ai des audios de témoignages que sont en train de faire jouer là. Comme ça? Oui, tu es en direct, mais si tu n'es pas pour les témoignages, je vais te reprendre après, tu vas appeler après. Si elle
les gens qui ont raconté des ragots sur elle. Là, je serais pas d'accord. Là, d'abord, on n'a pas d'abord commencé avec Mélanie. On n'a pas commencé avec Mélanie Nguang pour commencer. On n'a pas commencé avec Mélanie Nguang. Là, on est sur le sujet Capello. Toi, tu viens me distraire là. Allez, bonne nuit. On n'a pas encore commencé avec Mélanie Nguang. Vous commencez à envoyer vos gens venir m'appeler pour me déranger au direct. On n'a pas encore commencé avec Mélanie Nguang. Donc, du coup, si vous voulez parler de Mélanie Nguang ou Nicolas Sédé, vous allez attendre. Vos CV arrivent. Donc, ne venez pas m'appeler, me fatiguer avec. Tu ne connais pas que les Mélanie Nguang fait les oui là. Tu ne connais pas que Nicolas Sédé faisait les oui là. Faut venir embêter les gens. Faut m'énerver. Et là, comme je suis en train de parler là, pour ceux qui veulent m'appeler, parce que là, je vais vous parler avant de jouer les autres audios. Quand on appelle ici, là, d'abord, pour l'instant, faut apprendre à sortir de l'ombre. Tu ne peux pas concevoir qu'on a gaspillé toute ta carrière footballistique. Et que là, tu restes de marbre. Aujourd'hui, l'histoire a pété. Même le gouvernement ne peut plus gérer ça. L'histoire, là, a pété un degré que même Iboubou Cerf-Volant, que vous appelez Iboubou, là, ne peut plus gérer ça. L'histoire, là, a pété. Donc, les gars, n'ayez pas peur. On a laissé le contact de Mouina. Donc, vous venez, vous m'écrivez, on balance ça. Les baïboubou là, les bas machins, vous n'avez pas... Regardez comment vous êtes en train de réduire cette jeunesse-là. Vous n'avez pas mal. Sincèrement, vous n'avez pas mal. Ceux qui vont appeler peuvent appeler, mais juste pour les témoignages d'abord. Ils vont encore le dire, là. Seigneur Jésus de Nazareth. Sans coquille, là. Bonsoir, grand Maligon. Je viens vers toi. Okay. Ce soir, tu es pris. Oh, vous appelez encore en même temps. Oui, allô? Ah, je ne viens pas jouer les audios. Allô? Oui? Attendez, vous appelez en même temps, juste saturé. Allô? Oui? Oui, allô, oui, gars. Oui, gars, j'ai un témoignage là, quand. Vas-y, on t'écoute. Oui, allô, gars, je disais que j'ai un témoignage. Ah, vas-y, parle, tiens, témoignage, parle, on t'écoute. Ok, moi, je m'appelle Frédéric. Mais vas-y, parle, on t'écoute. Hein. J'ai commencé en minute au Cerf Mounana. J'ai commencé en minute au Cerf Mounana. Je parle de l'année 2013-2014 que je commence le football. Je suis en classe de CM2. J'ai 13 ans. Je commence le football. Je rentre à ce GA. Je croise devant moi sur le coach Capello, celui qui me fait passer les tests à ce jeu à l'époque à l'ESCAP. On s'entraînait à l'ESCAP au 22. Quand j'arrive, le coach me regarde, il me dit non, toi tu es un bon joueur et tout, c'est bon, mais est-ce que tu as la présence? Est-ce que tu as la présence d'esprit? Est-ce que tu es capable de jouer un match de 90 minutes? Tu ne veux pas fatiguer et tout. Donc il me dit oui, coach, moi je suis capable. Moi, j'ai fait ça. Je suis confiant. Je sais que vous m'entraînez tous les jours. C'est pour ça. J'avais la confiance à mon coach. J'ai commencé, j'étais en minime. Et tout. Et après, il est monté sélectionneur national de U17. Quand il monte sélectionneur national de U17, c'est là où je vais vers le coach. Quand je m'en vais vers le coach, Capello et moi, on peut dire que non, on est parenté parce que. Il a pris avec ma mère. Il a fait le primaire avec ma mère. C'est elle qui m'oriente vers lui. C'est elle qui me dit, on va à ce GA. Donc moi, je ne me dis pas qu'il va faire ce genre de choses avec moi. Parce que les rumeurs couraient déjà. Mais moi, je ne suivais pas les rumeurs parce que moi, je me disais, c'est mon nom qui l'a pris avec ma mère et tout. Il ne va pas me faire ce genre de choses-là. Capello me sort des entraînements. Il arrive à l'ESCAP. Il me sort des entraînements. Il me dit, toi, tu t'entraînes pas, monte dans la voiture. On va à Gabao. Quand on arrive à Gabao, c'est pour aller distribuer les fiches d'élection pour le championnat des petites catégories. On va faire signer les fiches à leur coach et leur président et tout. Je ne m'entraîne pas. Mais tu n'as pas besoin de t'entraîner. Si c'est rien que toi, il n'y a pas de souci, tu vas jouer, tu dis, ah, c'est bon. Alors, c'est le moment. Ils m'ont mené à aller voir le coach de Gabao. Après Gabao, on allait à 105.
quand on arrive à 105, on distribue aussi, on distribue, c'est là où on retourne. Quand on retourne au club, il me dit maintenant, bon, que c'est bon, à partir de maintenant, je peux te donner le brassard de capitaine, tu vas gérer la catégorie mini, tu es un bon latéral et tout, ça va aller, mais il faudrait que tu m'appelles à 23h, je vais venir te chercher, je vais parler avec ta maman et tout. Et ça, je te dis, oh, c'est pas possible, tu vas venir parler avec ma maman, j'ai 13 ans, je parle à l'époque, là, j'ai 13 ans. Seigneur. Demande de lasser ses chaussures et que je refuse. Là, il m'a dit que non, si tu es un poli, si tu es un discipliné. Attends, reprends un peu. On m'a appelé, ça a coupé. Reprends. Ah, ok, je disais. Donc, comme ça, là, il m'a dit, bon, comme tu es un discipliné, que tu ne respectes pas les règles et tout, moi, je. Allô? Moi, je ne veux pas et tout, que bon, voilà, tu vas venir comme ça, je vais te nommer capitaine, tu vas venir mettre la rébellion dans l'équipe et tout. Moi, je vais d'abord t'écarter, la saison-là, je vais t'envoyer à Altes, je vais à Altes, il me bascule à Altes en 2016. Il me bascule à Altes en 2016, je vais dans le centre de formation d'Altes en 2016. C'est où je rentre dans le centre de formation d'Altes. Je suis formé par le coach Eric et l'ancien président de la Sous-Ligue d'Ovindou qui a passé les élections pour être président de la Ligue. Qu'on appelle affectueusement le grand D, le coach Désiré, j'ai été formé par lui à Thèse, il m'a pris, c'est lui qui me fait jouer attaquant de pointe, il me dit non. Allô? Allô? Je viens et tout. Lui, allô, gars. Vas-y, parle. Ça c'est là-bas coupé, en fait. Ah, ok, c'est là où il me dit que non, que bon, voilà. Je sais que tu reviens de Sogea, est-ce que tu n'as pas été touché là-bas? Est-ce que tu n'as pas été et tout? Il dit non, je n'ai pas été touché. Que bon, voilà. Mais il m'a fait des propositions. Il m'a dit que non, en tout cas, ici, nous, on ne connaît pas ça. Si tu es bon, si on doit t'orienter ailleurs, on va t'orienter. Mais pour le moment, reste à bord là, il n'y a pas de... Là où j'ai fait Altes, je suis passé pré-sélection nationale de U17. Je passe pré-sélection nationale de U17. J'arrive au stade d'Intarion, c'est Capello qui est devant moi, avec l'ex-président du CF Mounana. Avec l'ex-président du CF Mounana qui est son ami, ils sont ensemble. C'est avec lui qui fait passer les tests aux joueurs, c'est lui. Nous sommes à la CIO 22, grand. Non, on reste à la CIO. Moi, je reste à la CIO 22. J'ai beaucoup de jeunes ici, de ma catégorie, de ma génération, avec qui on a joué dans les clubs. On arrive, on se retrouve plus de 5 dans un bureau. Plus de 5 joueurs dans un bureau. Là où il pose la question, que bon, oui, voilà les passeports. Il nous pose les passeports sur la table. Tout est posé sur la table. Quand il te parle de quelque chose que j'ai effectué, c'est quelque chose que j'ai effectué. Qu'il nous pose tous les passeports, tout, c'est sur la table. Oh, bon, voilà, on va jouer un match avec le Maroc. Vous êtes bien pris déjà dans la sélection nationale et tout. Mais est-ce que vous avez la prudence d'esprit? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à assumer ce qui arrive et tout? C'est vrai que c'est la célébrité. Nous en maloué comme ça et tout. Que bon, lui, bon, si c'est pour ça, non. Nous, on a des parents qui sont là, qui nous suivent et tout. On va suivre ça. On est là, nous, on veut jouer au ballon, on veut représenter les couleurs du pays parce qu'on est fiers du bled et tout. Ok, mais oui, mais tout ça, là, il faut la présence, il faut ramasser les clés, gars. C'est là où l'histoire de ramasser les clés est sortie. C'est dans le bureau, là. J'ai les joueurs qu'on a joué avec, j'ai joué ici au FC 105, j'ai les joueurs ici là, mon petit Jordan, j'ai joué avec le FC demi défensif, j'ai joué avec Mathieu latéral droit à 105, on a joué ensemble. C'est les joueurs talentueux aujourd'hui, on ne joue plus, bon, on a décidé d'arrêter, c'est parce que on a été découragé, grand. Tu ne peux pas dire que non, tu vas vouloir représenter ton pays, aller avec toutes les valeurs et tout ce que tu as dans la tête, de la connaissance. Arriver là-bas, on va te dire qu'on veut t'enfiler. Pour représenter ton pays, on a besoin de t'enfiler pour représenter ton pays, on est bled. Tu as raison de dire qu'on est des gars, c'est des gars qui sont là-bas qui nous représentent. Parce que même les petits matchs, même non, quand ils ne gagnent pas ça parce qu'on les enfile au cul. Le cul est serré. Il est sur le terrain. Doucement avec des propos, petit. En tout cas, quand moi, t'es bien, merci, grand. Merci. En tout cas, je sais que vous voulez te dire que je suis dans live. D'accord. Je vais essayer de prendre une autre personne. Merci.
Oui, allô? Allô? Allô, oui? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir. Ok, d'accord. Déjà, bonsoir à tout le monde. Moi, je vais intervenir sur une chose. On va dire en 2008-2009, par là, je résidais au Carrefour Niali, au Beau Séjour. On va dire entre PK8 et Beau Séjour, par là. Et vous savez que la brigade, le camp du PK9, il n'est pas loin. Et à l'époque, je ne sais pas si ce stade-là, l'herbe l'a déjà recouvert et tout. À l'époque, il y avait un stade-là. Et c'est là où le coach Colo faisait les entraînements avec son club et tout. Bon, une fois en passant, je revenais de chez ma tante. Bon, moi, déjà, le football, c'est quelque chose que j'aime. C'est un sport que j'aime parce que je l'ai pratiqué déjà depuis mon bas âge. C'est un sport que j'aime vraiment. Voilà, je me suis rapproché du coach avec mes amis. On était à une affaire de 5 ou 6. Déjà, dans le club, j'avais un ami, un frère du quartier, qui s'entraînait déjà avec le coach. Mais malheureusement, ce jour-là, il n'était pas venu. J'ai demandé au coach comment ça se passe pour intégrer l'équipe. Il m'a fait comprendre que, bon, vu que la séance d'entraînement elle est déjà finie, il faut que je vienne passer les tests, on va dire, la semaine suivante. Donc, c'était chaque lundi, mercredi et le vendredi. Mais de temps en temps, aussi, on joue aussi les samedis et tout. Donc, c'est comme ça qu'une fois, le samedi, je suis allé avec mes potes, on est parti. Il nous a donné des fiches, on s'est inscrit, on a commencé les entraînements avec les autres et tout. On jouait, bon, il a commencé à remarquer le potentiel de tout un chacun, chose qui est normale dans tout club. Il a commencé à remarquer le potentiel de tout un chacun et tout. Ça jouait, c'était tranquille. Au début, c'était tranquille. Mais après, on va dire, l'année 2009, à la fin de l'année 2009, on était là, il nous a appelés, il a convoqué une réunion chez lui, je pense, au PK7. On est parti. Il nous dit, bon, voilà, vous allez jouer un match contre Mounana. Mais le match, on devait le jouer au stade 105. Mais malheureusement, le match, il avait été annulé parce qu'à cette époque, il y avait des juniors, l'équipe junior qui devait jouer. Donc, c'est comme ça que nous avait transférés au stade Augustin Monedo. Il y a des petits stades là. On était allé jouer là-bas et tout. Asselé était là. Patrick Opianga, je crois, il était là, le président de Mounana. On a fini le match. Après le match, il me dit, monsieur, vous restez avec deux autres de mes collègues. Nous sommes restés. Il nous fait comprendre que, bon, voilà, le truc, c'est que, on va dire, au début de l'année 2010, vous devez voyager. Il y a des voyages qui sont programmés parce qu'il y a beaucoup de clubs qui doivent aller en Europe. Allô? Oui, je t'écoute, hein. Il y a beaucoup de clubs qui doivent aller en Europe et tout. Je lui dis, ah, c'est une bonne chose, on était contents. Bon, nous sommes jeunes et tout. Nous aussi, quand on voit nos grands frères à la télé, cet esprit-là essaie de monter et tout. Je suis allé à la maison, j'ai fait part de ça à ma maman, parce qu'à l'époque, je vivais juste avec ma maman. J'ai fait part de ça à maman. Elle était toute contente et tout. Bon, nous déjà, à cette époque-là, c'était, on va dire, le West n'était pas déjà une chose qui était ancrée dans nos têtes, en fait. Elle était contente. La semaine qui a suivi, nous sommes partis aux entraînements. C'est comme ça que le coach me fait comprendre que, bon, voilà, pour entamer les papiers et tout, toute la paperasse, les passeports et tout, il faut que chacun d'entre vous, chaque famille, puisse donner 2 millions. Moi, je commence à réfléchir. J'ai dit, ah, moi, ma maman, déjà, elle n'a pas de moyens. C'est une simple ménagère. Maman va trouver l'argent où? Elle va trouver l'argent où 2 millions à l'heure, là. Bon, j'ai dit, bon, Castan et Tiel, c'est mon avenir qui est en jeu. Je suis allé vers ma maman. Je lui ai fait état de la situation. Elle m'a dit, OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Elle a appelé mon papa. Mon papa, il a demandé à rencontrer le coach. Il est venu, il a discuté avec le coach. Il a dit au coach que, bon, voilà, par rapport à ce que vous avez eu à dire, 2 millions, est-ce que ce ne serait pas possible d'abord de vous faire 1 million, mais vous donner les autres 1 million? Coach Colo, il a boudé, non, c'est pas moi qui fais les papiers, vous savez comment le pays il est et tout, et tout, et tout, et tout. Bon, papa a dit, laissez-moi au moins un mois, je vais réfléchir, parce que le voyage c'était pour dans 3 mois. Papa a réfléchi. Quand on repart aux entraînements, le coach nous fait encore appel chez lui. Il nous avait fait appel aux environs de 15 heures par là. On avait déjà fini les entraînements parce qu'il y avait la pluie qui nous avait embêtés. Je suis rentré. Donc, quand la pluie s'est apaisée,
il nous appelle. Déjà que Niali, PK7, c'est pas loin, je prends mon vélo, je me rends là-bas. Je vais avec mes collègues aussi. Quand on arrive, on était juste à 5. Moi, mes deux potes et un autre frangin qui était dans l'équipe aussi. Avec un autre aussi qui nous avait rejoint, on était à 5. Vu que, bon, à cette époque, j'étais beaucoup clair, vraiment clair. C'est vrai qu'à ce moment, j'ai fané, j'étais beaucoup clair. Il m'amène à côté, il me dit, toi, il me dit, Obian, toi, déjà, toi, tu as le potentiel. Tu as le potentiel, vraiment, si tu veux t'en sortir et tout. Moi, toi et moi, tu es un petit. Il a commencé à m'adouer des trucs, donc tu es un petit que j'apprécie beaucoup. Voilà, tu vois. Déjà, même quand vous jouez, c'est toi qui as le brassard. Tu ne sais pas pourquoi tu as le brassard. C'est parce que tu es un petit que vraiment, moi, je vais mettre en haut. Si pas te faire rentrer dans l'équipe nationale, j'ai des relations et tout. Il m'a pris la tête. Il a essayé de m'amadouer. J'ai commencé à réfléchir. Mais attends, le type là, il veut en venir où? C'est comme ça qu'il me dit clair et cash. Mais non, si tu me donnes les fesses, moi, je te mets en haut. J'ai dit que mais je vais te donner les fesses, tu me mets en haut. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, déjà, et quand les autres ont écouté ça, parce que, bon, déjà, sa maison et le salon, comment, son petit bureau, c'est dans un même espace. Donc, tout ce qui se dit, déjà qu'il a une voix assez rouillée, tout ce qui se dit, les autres avaient écouté. Les autres se sont énervés, se sont révoltés, là, que comment vous pouvez dire ça, coach et tout. Il a dit, bon, Castan et Tienne, on va en reparler. Le lendemain, on avait match, on devait jouer un match contre FC Rambo, je crois. On part, c'est Hervé Patrick Opianga maintenant qui me fait appel. Il me fait appel dans son bureau. Il me dit non, bon, voilà, moi je peux te faire quitter ton club de merde. Moi je te mets dans mon centre de formation, je te paye l'école et je t'envoie en Europe et tout, voilà. Et cette période-là, il y avait des enfants qui devaient aller en Italie. J'ai même un pote qui était parti, je ne peux pas citer son nom. Un pote du quartier aussi, il jouait à Mounana. Il était parti, il a fait tous les papiers pour les gars et tout. Il me dit non, bon voilà, si tu veux partir avec les gars, moi, tu me suces. Tu me suces et puis, je te mets le nom, je te fais le passeport, tu pars en Europe. Moi-même, je prends ta scolarité tout en charge. Je lui ai dit, mais je lui ai clairement dit que vous êtes fou. Moi, ce genre de connerie, je ne le fais pas. Je suis sorti. Et en sortant, il me bloque, il m'attrape le bras. Il me dit, en fait, il me menace, et j'étais encore petit, il me menace en me disant, le jour où cette histoire-là va sortir, sois donc sûr qu'on connaît chez toi, je vais t'attraper, on va te tuer et tout, et on va tuer toute ta famille. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis allé chez moi. Une semaine, deux semaines, grand franchement, je n'arrivais pas à dormir. J'étais tourmenté, c'est que même ma maman... Yeah. Dieu. Ma maman, en fait, quand elle préparait, je n'arrivais plus à manger. Elle pensait même que j'étais malade, elle me voyait, je n'allais plus aux entraînements. C'est comme ça que j'ai fait appel à mon père. J'ai fait appel à mon père, il est venu. Il vivait à Port-Gentil, il était sur site. Il est arrivé. Mettez les cœurs. Il a expliqué la situation. Il a porté plainte à la PJ, à la police judiciaire. Dieu me voit mon temps, grand frère, si cette plainte l'avait même abouti. C'est moi qui recevais les menaces d'un lieutenant, le lieutenant Bivégué. À l'époque, il était à la direction de la sécurité urbaine, je pense à DSU. Il me menaçait tout le temps. Que petit, on va t'enfermer, tu vas faire la prison et tout. Leur avait clairement dit que s'il faille que mon destin est d'aller en prison, j'irai en prison. Mais si c'est pour me faire coucher, parce que je vais réaliser mon rêve, ça je ne peux pas. Et c'est à partir de cet instant que j'ai franchement détesté le football. Je me suis lancé encore dans d'autres sports. J'ai fait du handball. Dans le handball, c'était la même chose avec Nicolas Sélé. J'ai joué dans un club, un petit club là. On s'entraînait au gymnase de Lumi. J'apprenais encore à l'ancien collège qui est devenu Rénovation Saint-Antoine. C'est une dame qui était notre prof d'EPS qui était aussi la présidente de ce club, la Réveil. Mais elle couchait avec des filles à l'intérieur, plusieurs filles de ma classe se sont passées par là. J'ai arrêté, j'ai fait du taekwondo et du full contact, toujours la même chose. J'ai été franchement abasourdi. C'est quelque chose qui m'a franchement, en fait, ça m'a laissé abasourdi.
j'ai préféré me retirer de tout ça. Et clairement, j'ai fini par comprendre que l'activité sportive au Gabon, franchement, ça ne peut, en fait, ça ne peut pas t'emmener au niveau où tu veux si tu n'as pas des parents au placés. Parce que déjà, je jouais avec des fils, avec certains fils des ministres, d'autres des fils des généraux, mais ces gens-là, c'était des personnes aisées. Je ne pense pas qu'on avait proposé ce genre de conneries-là aux enfants de ces personnes-là, mais nous, qui sommes des enfants qui ne sont pas nés avec des cuillères en or dans la bouche, voilà, c'est ce qu'on nous faisait. Et vous voyez que c'est un système qui continue même encore. Parce qu'il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup, j'en connais beaucoup qui sont là, il y a certains même qui jouent à l'équipe nationale, on a grandi ensemble, on a joué ensemble, qui sont là à l'équipe nationale, là, c'est tranquille. Parce qu'ils ont donné les fesses, ils sont là. Mais c'est vraiment, c'est désolant, c'est désolant pour eux. C'est vraiment désolant pour eux. Donc c'est un peu ça, c'est une situation, franchement, au Gabon, le sport au Gabon, c'est vraiment, je ne conseille pas. Je ne conseille pas, si tu n'as pas un parent au placé, je ne conseille pas. Que quelqu'un puisse pratiquer un sport au Gabon. Franchement, je ne peux pas. Merci. Merci de m'avoir écouté. Oui. Les gars, vous voyez ce que vous faites là. J'ai mis le numéro pour appeler ici. J'ai mis ça même à l'intitulé du direct. Soit vous appelez sur la page. Arrêtez d'appeler sur le numéro personnel là. À un moment donné, on va vous répéter les mêmes choses, la famille. S'il vous plaît. J'ai mis le numéro même en haut. Et si vous voulez, appelez-moi après, appelez-moi sur, on appelle ça comment, le numéro. Soit c'est sur le direct. Et soit, attendez, d'abord je réponds vite à un message. Soit c'est sur le direct, soit vous regardez au-dessus de la page. Je vais m'adresser là à Franck Guémin. Franck Guémin. Je vais m'adresser à Iboubou. Même si depuis son cercueil, je peux m'adresser à... Oh putain, je me... Oh Seigneur Jésus. Allô? 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 Ah, vous m'appelez et puis vous êtes en... La vache qui rit, Franck Guémin. Je t'ai vu hier. Je t'ai vu hier, hein, où tu es venu crier l'histoire. Oui, on est choqué, on est outré. Vous savez, hein, arrêtez personnellement de prendre les Gabonais pour des cons. Parce que toi-même, Franck Guémin, toi-même, on te west. Toi-même, déjà, tu es un westé. Donc, tu sais personnellement ce qui se passe là. Donc, ne viens pas faire semblant. Quand vous parle que Iboubou, quand il vivait, il habite Lévi Maninda. Voilà pourquoi Lévi Maninda, un homme ne peut pas avoir un tapas comme ça là. La seule personne qui dépasse Lévi Maninda, le bodge, c'est Manka Botelé. Il n'y a que Manka Botelé là qui dépasse Lévi Maninda là, le bodge. Fundu, par le défunt Iboubson. Donc, ça part des vestiaires à la présidence de la République. On parle d'Opianga. Opianga, qui était aussi le Fundué du défunt Iboubou. Nous tous nous savons qu'Opianga Iboubson, avant qu'Akombessi ne vienne arracher la vedette. Je vois Iboubson, toi Iboubson, depuis l'au-delà, la seule personne qui nous parle depuis l'au-delà. Je te vois toi, parce que quand il y a des problèmes au Gabon, depuis l'au-delà, tu agis. L'ange Gabriel, c'est toi Iboubou. Tu viens, tu fais un poste où tu dis que tu es contre ce type de pratique. Or, toi-même, tu es le lieutenant-chef de ça. Oh, Seigneur Jésus. Oui, allô? 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 Oui. Allô? Allô, 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 allô? Ouais, bah, de quoi, chef, comment tu vas? Tranquille, frangin. Là, c'est possible. Là, il n'y a que les témoignages que je prends là. Parce que je vais jouer les audios après. Là, il n'y a que les témoignages. OK. Et de façon brève, avec des noms précis, et on avance directement. Ouais. Et là, je serai obligé de te talk en bombant. Je serai obligé de te talk en bombant. Vas-y. Les oui, qu'il y a un audio que tu as balancé là. Là, on parlait de Peggy.
Ouais. D'accord. Moi-même, je te confirme la story là. Parce qu'il y a un gars dans mon mapan avec qui on a grandi au charbonnage, qui a eu affaire à ces conneries-là avec Peggy. Il a madoué l'enfant et il a très peu l'enfant. Tu vois? Et c'était mon ami phare, on a marché ensemble, mon camarade. À Bève là-bas. Moi, je ne suis plus à Bève. Et l'histoire également qui loue l'oncama en Turquie pour les joueurs, etc. Moi, je te confirme ça et c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai leur douleur parce que mon ami, limite, est devenu fou au bled parce que il a perdu la joie de vivre et voilà, quoi. Mais sinon, quand tu auras plus le direct, on va bien discuter, toi et moi. D'accord, ça marche. Merci, oh. Ok. Donc, toi, Iboubou, depuis le délai, tu es fait à les grands postes. Iboubou, tu es conscient de ça. Même depuis le délai, vu que c'est toi qui es le messager, l'ange Gabriel, qui intervient seulement quand il y a des trucs comme ça, on ne te voit pas quand il faut aller sur le terrain. On ne te voit jamais, même les journalistes ne t'approchent pas. Mais quand il faut venir parler des choses comme ça, là, tu viens, tu apparais, piou, le petit Jésus, tu arrives, tu parles. Cette histoire, ça fait plus d'une décennie. Plus de deux décennies déjà. Donc, plus de... En fait, là, on fait 25 ans. Donc, ça fait deux générations et demie de joueurs ouestés. Deux générations et demie des joueurs gabonais pétris de talent. Quand ils ont refusé de se faire un but, ont perdu leur carrière. Et toi, Iboubou, Gabriel, cerf-volant, tu as l'audace, tu as le culot de rédiger ta bouillie lyricale là, pour venir faire comprendre aux Gabonais que tu montes au créneau, mais c'est toi le premier qu'on doit enfermer, Iboubou. Iboubou, c'est toi le premier qu'on doit enfermer. Et je vois la vache qui rit, quelqu'un qu'on bousille le coin, n'importe comment. Je vois la vache qui rit, qui vient dire aux gens, venez témoigner. Non, les témoignages des Gabonais là, ça part chez Moulina, ça part à la FIFA. Aucun Gabonais ne doit venir témoigner. Non, vous voulez enfermer les enfants? Vous voulez tuer les enfants? La preuve, vous interdisez aux enfants de parler. Oh, Seigneur. Oui, allô? Allô? Ouais. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Adam. Oui, oui. Bonsoir, monsieur Alba de Tandem. Oui. Ah, je viens pour un témoignage. Vas-y. Retenez bien le nom là. Rigobert Zamba, professeur de PS à damé Lévi Madinda. C'est Lévi Madinda qui l'a envoyé Lévi Madinda en Europe. Il a damé Lévi Madinda dans sa chambre. Le père de Lévi Madinda au courant, il connaît. Est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Répète le nom, s'il te plaît. Il s'appelle comment? Rigobert Zamba. Rigobert Zamba. Zamba. Oui. Oui. Il a damé Lévi Madinda. Dans sa chambre, c'est lui qui a envoyé les Malinda en Europe. Qui est? Ah, le pays, il en fait peur. Ça. D'accord. Non, le pays, là, vous me faites. En fait, vous me faites. Sérieusement, les Balévi Malinda, les Ibrahim Dong, les Porco, les Kwele Manga, vous tous là, je demande à vos copines de vous mettre maintenant les doigts au Christ. Autant que vous êtes dans l'équipe nationale, on vous bousille au Christ. Je n'enlève personne. Je n'enlève personne. Vous tous, autant que vous êtes, on vous bousille au Christ. Je ne comprends pourquoi vous buvez le vin n'importe comment. Oh putain, il faut dire. C'est qui là? Oui, allô? Allô? Oui. Je comprends pourquoi vous buvez le vin n'importe comment. C'est un traumatisme que vous avez, les gars. Aujourd'hui, il est plus temps. Vous allez. Allez, voilà pourquoi. Ah, Seigneur, oh Dieu. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, bande de conchettes. Oui, bonsoir. Bon, moi j'appelle par rapport à l'histoire de Lévi Madinda. Oui. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Lévi Madinda. C'est pas un joueur qui revient de Libreville. Non, 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 non. La jeunesse de Lévi Madinda commence à l'école de foot de Port-Gentil.
Voilà. Donc, même encore là, il faut aller se demander pourquoi l'école de foot de Port-Gentil était fermée. Parce que beaucoup de jeunes aussi se sont fait prédire là-bas. Non, dis Wesley, tu dis Wesley. Bah, la prochaine fois que tu ne mets pas Wesley, je te bloque. École nationale de foot de Port-Gentil. Tu mets Wesley. Si tu ne mets pas Wesley, je vais te bloquer. Parce que là, si tu veux parler du truc, là, tu dis West. On parle la même chose, on dit de mettre Westé, vous venez raconter des trucs. Tu mets Westé à l'intérieur, c'est dur à comprendre. Arrêtez ça, la famille. Donc, des personnes, vous-même, vous êtes à l'origine de ça. Iboubou, toi-même, depuis l'au-delà, tu m'entends parler. Tu es à l'origine de ça. Opianga était d'abord ton grand mousseur. Avant que Akrombessi ne vienne arracher la vedette. Et toi, Iboubou, tu as le luxe. En fait, tu es encore te moquer des Gabonais une fois de plus. C'est parce que le problème est maintenant à l'international que vous êtes maintenant en train de paniquer. Parce que on a écouté les témoignages des gens. À chaque fois que les gars refusent, vous dites quoi? On va venir vous tuer. Ça, c'est l'intimidation que vous faites. Les gars ont peur même de parler. Les gars tremblent parce que leur vie en dépend. Comment Opianga, tu dis au gars, s'il te tape la paille, s'il te tape pas la paille, après, s'il signe, toi, tu as le die, tu as die sa famille. Et vous voyez, vous êtes là, vous voulez cacher ça jusqu'à la fin des temps. Maintenant, le problème a éclos. Il y a les Gabonais qui sont ici en Europe, qui sont même prêts. Parce que le problème, c'est la FIFA qui va venir parler de ça. J'ai vu les Gabonais dire oui, on veut les témoins clés. Vous attendez là-bas. En fait, vous voulez qu'on envoie les gens à l'abattoir. En fait, vous me faites comprendre que on doit venir faire partie. Tu crois que quelqu'un va se lever, va dire je vais témoigner au tribunal de Libreville. Mais il va disparaître. Soit on va le bastiller, soit on va faire répondre n'importe quoi. Parce que là, même le président de la FEDAFOOT, dedans, mais celui qui est venu parler, la vache qui rit, dedans, Iboubou, dedans, autant qu'ils sont, il n'y a plus de boy. Il n'y a plus le boy. Et puis vous dites aux gens-là que venez parler. Non, ils vont venir parler ici et on va envoyer ça. Je vous parle que la prochaine fois, les déclarations, les machins, c'est à France 24 que vous allez écouter ça. Je vous ai bien dit que la manière dont vous filmez les boys-là, vos vidéos-là, c'est sur YouPorn que vous allez tamponner ça. On va vous faire ça propre. Il y aura deux cas. Soit vous allez taper les télé, vous tapez l'eau-là et sa big bande-là. Si vous voulez vous sauver, quoi, vous les damez sérieusement. Parce que tu veux faire la bande que Capello vient pour nier là, pour raconter les bêtises. Je vous dis que c'est l'équipe nationale du Gabon là qui va pas jouer la CAN là. Et cette CAN là, moi personnellement, cette équipe là, je n'ai pas mes. Je m'en fous! Cette équipe là. Moi donc, déjà je vous amarre déjà pour commencer. Et avec toutes ces déclarations, je comprends pourquoi vous avez pris position. Vous ne pouvez pas venir déclarer ce qui se passe. Vous êtes un gars! Autant que vous êtes un gars! Des omelettes, vous êtes un gars! Vous n'avez pas de culot? Vous avez les quests bolés, un choice dans vos quests? Pourquoi vous ne pouvez pas speak? C'est un bon supplicable, mais à chaque fois les joueurs ne parlent pas pourquoi. Mais ils ne peuvent pas speak, gueule. Ils sont maintenus. Cette équipe-là, on m'a parlé que oui, la sélection d'Ibrahim Dong, nani, nani, nana. Tu dis même qu'Ibrahim Dong reste même là-bas qu'il ne va même pas jouer. Parce que cette équipe-là, c'est pas le cas. Je dis, on doit prendre nos femmes. Nos femmes à nous, nos femmes gabonaises, on prend l'équipe là, on les met à côté, on prend nos femmes. Nos femmes vont porter le maillot de l'équipe nationale, elles vont jouer. On va envoyer nos femmes jouer là-bas. C'est pas vous, c'est nos femmes. Parce que vous là, vous êtes, regardez, hein, un homme qu'on bousille au quoi, c'est un homme qui n'a plus de power. On vous voit là, vous bombez, vous êtes là, vous buvez le vin. Vous êtes là, vous buvez le vin. Vous êtes tout ça là. Vous posez, les gars sont traumatisés. On nomade là-bas, c'est le coin des Touze. Vous partez là-bas au nomade, on vous fout d'où. On vous claque sur le punch, comme on claque le punch d'une gars. Comment tu vas mettre le physique, le coup des punch? Vous ne pouvez pas. La preuve, voilà pourquoi vous sortez qu'avec les filles du game. Vous sortez avec les filles des bises. Parce que vous prenez direct pour les gars, vous donnez de l'argent. C'est ça. Voilà pourquoi vous êtes comme ça. Voilà pourquoi vous faites des games partout. Vous êtes traumatisés, les gars.
En tant que vous avez besoin d'avoir de voir un psychologue. Vous êtes, je vous comprends. On vous fait ça depuis le bas âge. Les cap, je vais vous dire que Capello, c'est un danger. Il prend les enfants depuis 12 ans, 13 ans ou 10 ans. Et puis vous les aimez, et bizarrement, comme vous aimez ça, comme Capello, c'est votre grand recruteur, vous partez donner les unicettes à Capello, mais vous êtes des malades. Vous partez donner les enfants à Capello, vous savez qui... Donc, en fait, et vous voulez vous asseoir, toi, la vache qui rit fondement, tu as le culot de t'asseoir devant les Gabonais. Et venez dire son Gabonais. L'enfant de Mata, ton propre enfant, Capello la Funzu. Capello en big, ton enfant Mata. Toi, tu joues les kindas de l'Iveco. Maintenant, là, faut mettre Capello dans l'Iveco. C'est pas venir attraper que les Gabonais quand les Gabonais boivent le vin. Capello en big, toi, ton enfant Mata. Mata, le mystère de l'Iveco. Mata. Capello en big, ton enfant. Et tu laisses Capello dehors. C'est les Gabonais quand ils boivent le vin que tu envoies tes Iveco. Moi, les taillons. Tu vois même que tu as les poings liés. Tu n'es même pas fort. Tu ne peux pas. Je suis sûr que même ton Mouna là, même si Boubou, vieille dame, ça, tu vas rien dire. Tu es conscient, Mata. Pour la pousser le croisse de ton enfant. Voilà comment vous êtes. Et c'est vous qui venez dire, oui, il manque des témoignages. Venez témoigner. Mais vous avez fait peur à tous les gars là. Vous voulez que les gars viennent témoigner quoi? Non. Ils vont venir nous donner l'information à nous. On va mettre ça à l'international, en fait. Les preuves que vous cherchez, là, de façon concrète, vous allez voir ça à l'international. La semaine prochaine, le feuilleton continue. La semaine prochaine, je vous dis, hein, ça sent très mal. Et il y a des fortes chances que l'équipe du Gabon là soit sanctionnée. Voilà, vous voyez comment les gars là sont en train de trembler. Ils sont en train de marcher, ils sont en train de faire les déclarations parce qu'ils le savent. La FIFA ne peut pas tolérer ça, c'est le cas de la West Coast qui a battu tous les records. C'est le cas de la West Coast qui a battu tous les records. Même les gars de la FIFA, quand ils sont sur le dossier du Gabon, ils sont tous le Wanda, ils fuck up, ils sont tous le fuck up, ils sont tous, ça c'est question de way. Comme le Gabon est toujours premier dans la bêtise, voilà encore une bêtise de plus qui boubou et ça bande. Parce que ça commence des vestiaires jusqu'à la présidence. Les joueurs que vous venez jouer là, c'est les gars. Quand ils sont en train de jouer, Capello dit, ça c'est ma chérie, Lévi Malinda. Ça c'est ma chérie, Ibrahim. Oh, mon bébé, il connaît Manda. Il boubou là-bas, dit, Lévi là, font quoi, ça le fait au bon. Amenez-moi Lévi ce soir. C'est comme ça qu'ils sont, en fait. Vous êtes en train de jouer, pendant que vous, les gars, vous êtes en train de dire, Paka, Nani, Tel, Moupenza, vous êtes en train de crier là. C'est d'autres boys qui sont en train de fondre ça la nuit. On les met la présence d'esprit dans le jardin d'Eden. C'est ça les hommes, ça. C'est eux qui vont aller nous représenter en Coupe d'Afrique. Les gars, ils ne peuvent pas aller quelque part avec ça. C'est pas une équipe. Pour l'instant, Mwandong, voilà pourquoi on va boler avec Iboubou. On va changer tout ce monde-là. Parce que moi, là, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à quand Iboubou va vous gars, l'équipe nationale du Gabon, mais t'arrives même plus là-bas. Je souhaite qu'on les élimine de partout. À tous les niveaux. Je ne suis pas là pour blaguer avec eux. Parce qu'ils sont conscients qu'on les a déjà bousillés les quoi. Mais autant qu'ils sont. Même pour dire qu'on va sauver nos petits frères. Vous n'avez pas de compassion. Autant que vous êtes dans l'équipe nationale. Je parle, et toi, Poco. Toi, Poco. Toi, Ibrahim Dong. Toi, vous tous là. Poco, de toi, moi, tu sais que tu n'es pas Gabonais. Et moi, je te le dis, ça bien clair. Tu sais que tu n'es pas Bouma. Tu es l'enfant de Madame Titi. De Monsieur Titi. Regarde ce qu'ils sont en train de faire à tes gens là-bas. Faut speak. Et pour les mangas, capitaine, on te bousille le quoi, c'est n'importe comment. Faut speak. Ibrahim Dong, même si tu as des larmes, tu parles, tu bombes. Oui, on t'aime. Mais on te bousille aussi le quoi. Faut speak. Pourquoi on te bousille le quoi? Faut speak. Boupenza, on te bousille le quoi? Faut speak. Autant que vous êtes là-bas, on vous bousille le quoi? Faut venir speak. Les témoins qu'on cherche là, si vous voulez être témoin de façon officielle, c'est vous les gars de l'équipe nationale, là, vous devez aller parler de ça. Nous, nos témoins là, nous c'est la FIFA qui aura ça. On n'est pas là. C'est pas vrai. Les témoignages là. Et ceux qui sont en France, ils iront même jusqu'à témoigner en fait. C'est nous on va prendre ça. Ici là, avec vu que c'est Romain Moulina qui vous fait une dème. Tout ce que je prends là, ça part. Je suis en contact avec lui, ça fait bon. Pap, les Gabonais me font la passe. J'envoie ça à Moulina. À Moulina. Le Gabonais me font la passe. J'envoie ça là-bas. C'est comme ça que ça se passe. Hein.
Et ce qui vous réserve la semaine prochaine, mais je vous dis, hein, ce qui vous attend la semaine prochaine là, mais vous allez, vous-même, vous allez voir ça. Vous allez vivre ça. Vous allez encore passer à 124 avec vos noms là. Les noms vont s'ajouter encore dans la liste. Et il va venir vous mettre encore pisim. Je crois que là, vous allez venir annoncer la mort d'Ali Ben de façon officielle. Parce que même le sosie qui est là, il va taper un AVC parce qu'il va sortir. Là, c'est bizarre. Les bons pianga, les macolo, on est là. Comment quelqu'un joue Carlo Petit dit, il porte plainte. Mais c'est le lieutenant de la police qui appelle. Et il dit au Petit, dégage avec une plainte comme ça. Avec des faits. Et vous dites au Gabonais, venez témoigner chez nous. Mais vous prenez Gabonais pour des cons. Hein. Ils ne garantiront pas témoigner. Ils vont nous envoyer à nous les témoignages. Et nous, on va envoyer ça à la FIFA. C'est la seule chose qu'on va faire. Only, personne ne va venir témoigner avec vous là-bas. Vous êtes des menteurs. Vous savez ça. Toi, on appelle ça comment? Toi, il t'appelle comment? Femme Gema. Tu peux être le bon témoin. Tu peux témoigner. Dans les vestiaires, même les joueurs te bitent. Tu peux témoigner, Femme Gema. Tu es un bon témoin. Tu es même un témoin crédible. Femme Gema, tu peux témoigner. Opianga, tu peux témoigner. Capello, avant de tomber, Capello, j'ai même ton numéro personnel. Tu comprends? Parce que toi, les autres, là, en fait, ils t'ont mis en bouc émissaire. Ils vont te faire tomber, ils n'ont pas le choix. C'est toi qui ont choisi de te faire tomber, là. Tu as vu comment ils sont en train de te tourner le dos, Capello? Capello, j'ai ton numéro personnel. Ce qui va se passer, avant que tu le bouges en gata, tu vas m'envoyer les noms des gens, là, encore. Parce que j'attends avant que tu le bouges en gata. Quand je te dis que là, tu parles en gata, j'ai ton numéro personnel, Capello. Ton propre numéro que tu utilises. Si tu doutes même ce soir, je t'envoie un message à toi. Tu vas recevoir le message là-bas. Comme ça, tu auras mon numéro, Capello. Et quand les gars-là vont te décharger. Quand les gars-là vont te décharger, Capello. Quand ils vont te décharger, là, tu vas m'envoyer, tu vas m'en faire un audio. Ça va te sauver, Capello, parce que tu vas pas tomber seul. Faut pas accepter de tomber seul. Les boys-là sont en train de te décharger. Faut pas accepter de tomber seul. Donc, tu auras mon numéro, on dit de dernier espoir. Tu vas m'envoyer. Tu vas le faire, Capello, parce qu'ils vont te faire tomber. Les gars-là vont te faire tomber. Et tu vas le faire. Tu vas savoir, c'est là où tu vas venir voir la Balokon Gang. La Balokon Gang, on va te mettre en haut. Alors, c'est nous qui allons t'insuffler la présence de l'esprit. Parce que tu n'as pas encore bien le bon esprit. C'est l'esprit Balokon, on va insuffler ça en toi. Tu vas voir que ça donne le souffle de vie. Vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train de rire. On parle d'un sujet qui, en fait, on parle des enfants. Regardez comment on les pioche du bas âge jusqu'en sélection nationale. Imaginez-vous que les petits là, c'est ça qui, en fait, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils sont là, ils vont bientôt partir à quoi en Arabie Saoudite là. On a sorti les noms des convoqués. Jusqu'à Guéhenno Tran. Il est venu vous Founzou là-bas. Guéhenno Tran. Je suis vous Founzou. Même vos coachs. Donc, parce qu'il ne veut. Faut faire attention. Quand même toi aussi là maintenant, on te voit bizarre. Toi aussi, il faut venir confronter. Tu prends ton contact avec la Balokon Gang. Parce que toi aussi, parce que tu es Guéhenno Tran. Et on l'a attrapé à l'hôtel en train de faire les bêtises. Là, voilà pourquoi il avait démarré. Donc ça veut dire que toi, c'est parti de neveu là. On te regarde déjà bizarre. On te sens bizarre. Donc quand vous êtes parti en Arabie Saoudite là, avec l'argent du contribuable gabonais, vous partez en Arabie Saoudite là-bas pour aller vous faire une bite dans les hôtels. Une bite dans les hôtels comme des chalasses. Donc vous partez avec notre argent là pour aller vous faire une bite dans les hôtels quoi. Mais vous êtes trop beau. Hein. Et jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à quand, je vous dis ça de façon officielle. Il n'y a que quand Iboubou, va quitter le Gabon. Quand Iboubou va, de façon officielle, même quand le sosie là, va bouger. Quand le sosie cerf-volant là, va bouger. Et quand on va refaire le Gabon là, le Gabon là, du bas jusqu'en haut là. C'est là où moi, donc, je vais encore mettre mes trucs dans les histoires du Gabon. De façon officielle, le sport gabonais, moi, le football gabonais, moi, c'est bad. Je vais vous amarrer, je ne vais même pas vous regarder. La seule chose que je vais faire, c'est attendre qu'on vous vimba. Et je vous dis, hein, vous êtes des gars, vous allez partir. Le Comor va vous vimba, le Ghana va vous vimba, le Maroc va vous vimba. Vous allez revenir là-bas avec zéro point. Et je serai content. Vous ne méritez pas le respect du Gabon. Parce que nous-mêmes, vous êtes en train de faire en sorte que les gamins, les enfants. Et vous quand pas qu'il y a certains joueurs de l'équipe nationale, eux qui sont là, ils font venir les enfants pour un beat. Donc en fait, vous êtes en train de perpétuer la chaîne, quoi. Vous êtes en train de perpétuer la chaîne. Il n'y a pas de souci. Hein. Les gars,
on va caler ça là pour là aujourd'hui. Merci à tout la tout d'abord le Congain, parce que ça signale là, ils sont en train de faire signaler au direct. Je vais couper ça là avant qu'ils nous censurent. Merci à tout d'abord le Congain. On reste connecté là-dessus.